Il nous reste maintenant à voir les conséquences, si l'on peut dire, du sacrifice de notre Seigneur sur la croix. Autrement dit, les mérites. Qu'est-ce que notre Seigneur a mérité sur la croix? Notre Seigneur, par son sacrifice, a d'abord mérité pour lui-même. C'est lui qui souffre, c'est lui qui meurt sur la croix. Et par cette ignominie, par cette humiliation, notre Seigneur a mérité pour lui-même sa résurrection, sa propre résurrection. Il a mérité pour lui son ascension au ciel et il a mérité d'avoir un nom, comme dit Saint Paul, il a mérité d'avoir un nom qui est au-dessus de tout nom. Et donc il a mérité d'avoir une gloire en tant qu'homme qui lui provient justement de ses souffrances. Et aussi, parce qu'il s'est fait le rédempteur du genre humain par se sacrifier sur la croix, notre Seigneur mérite le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir de juger les vivants et les morts, comme nous le verrons dans le septième article de notre credo, d'où il viendra juger les vivants et les morts. C'est parce qu'il est le rédempteur, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a pris en possession, celui qui a dépensé justement le prix de son sang. Celui donc qui par là a acquis un certain droit sur nous, parce qu'il a acquis ce droit justement, il a obtenu de mériter d'être le juge du genre humain. Mais notre Seigneur, non seulement a mérité pour lui, mais il a mérité aussi pour tous les hommes. Et c'est ce que nous devons bien sûr considérer dans ce mystère de la rédemption, tout ce que notre Seigneur nous obtient. C'est absolument merveilleux. Par lui, nous avons été sauvés, justement. Pourquoi? Parce que d'abord, ce mystère nous délivre du péché. Son sang devient comme le bain régénérateur de nos âmes. Il nous a aimés et il a lavé nos péchés dans son sang. Saint Jean s'exprime ainsi dans son Apocalypse, lavé de son sang. Donc il nous a délivrés du péché. Non seulement il nous a délivrés du péché, mais nous le savons en nous rachetant, il nous a affranchis du pouvoir et de la puissance du démon. Maintenant, le prince du démon va être chassé, le prince de ce monde. Et notre Seigneur annonce d'ailleurs à ses apôtres avant sa mort, c'est quand on relit dans les chapitres de Saint Jean, ces chapitres qui précèdent sa passion, le discours après la scène, notre Seigneur annonce à ses apôtres qu'il a vaincu le monde et qu'il va nous délivrer justement de cette possession par le démon. Il nous a rachetés. Et alors, en nous rachetant, conséquence, c'est-à-dire en nous ôtant de la possession du démon, en lavant nos péchés, conséquence, que fait-il? Il nous délivre de la mort éternelle. Le cardinal Pie disait: nous n'avons par le péché qu'un seul droit, c'est le droit à l'enfer. Mais parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, eh bien nous avons été rachetés du péché, rachetés du démon, et donc soustraits à la peine éternelle de l'enfer, au jugement éternel. La mort est la solde du péché, dit saint Paul aux Romains, mais la grâce qu'on reçoit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La vie éternelle. C'est tout l'inverse, justement, de la vie de l'enfer. En nous rachetant, ou plutôt en nous soustrayant aux peines éternelles de l'enfer, notre Seigneur nous a réconciliés avec Dieu son Père. Et là encore, saint Paul s'exprime de façon très claire. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous qui avions perdu le statut d'enfant de Dieu par le péché, nous retrouvons par la réconciliation dans la mort de son Fils ce statut d'enfant. Et par la grâce, le chrétien est en toute vérité enfant de Dieu, frère du Christ, et donc, dit saint Paul, cohéritier du Christ. Et oui, et c'est la cinquième conséquence, cinquième mérite que nous obtient notre Seigneur par sa passion, il nous permet à notre tour d'avoir part à l'héritage céleste.
En redevenant enfants de Dieu, eh bien nous avons droit à l'héritage que nous promet Dieu, à l'héritage qu'il a déjà donné à son Fils, et qui est le gage aussi de notre propre héritage. En mourant sur la croix, en nous faisant à nouveau enfants de Dieu, eh bien, nous pouvons avoir part à la vie éternelle. Nous pouvons entrer, dit saint Paul aux Hébreux, dans le sanctuaire avec assurance par le sang de Jésus-Christ. Le sanctuaire, qu'est-ce que c'est? C'est le ciel éternel. Voilà donc les mérites que nous obtient notre Seigneur sur la croix. Simplement, si notre Seigneur nous obtient ses mérites, pour tous, c'est entendu, car il est mort sur la croix pour tous les hommes, il n'empêche, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus délicat pour nous, de plus difficile, disons, il n'empêche donc que ces mérites ne sont appliqués à nos âmes, c'est-à-dire nous ne pouvons jouir de ces mérites que si nous prenons part à notre tour à la passion de notre Seigneur, que si nous nous associons à notre tour librement et volontairement à la souffrance de sa passion. Saint Augustin a cette phrase merveilleuse: Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. C'est-à-dire que là où Dieu ne nous a rien demandé pour notre création, en revanche, pour notre rédemption, il nous demande notre coopération. Nous devons coopérer à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Paul s'exprime ainsi aux Colossiens: j'accomplis dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Cela ne veut pas dire justement que la passion de notre Seigneur est incomplète. Dans ce cas, elle ne serait pas universelle et elle ne suffirait pas à nous racheter. Ce ne serait plus le mystère de la rédemption. Non, la passion de notre Seigneur est parfaite, elle est complète. Simplement, pour qu'elle s'applique à nos âmes, il faut notre propre coopération. Et c'est en ce sens que saint Paul dit: j'accomplis dans ma chair ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous qui devenons membres du corps mystique qu'est l'Église, qui appartenons à l'Église par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons désormais coopérer à cette passion et souffrir dans notre chair à la suite de notre Seigneur. Jésus-Christ lui-même avait été clair, hein, celui qui veut être mon disciple, donc celui qui veut me suivre, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc notre Seigneur nous l'avait déjà dit. Nous voulons être rachetés. Bien, dit notre Seigneur, je fais tout moi-même. Mais attention, vous devez me suivre. Je fais la part principale, mais vous devez avoir une petite coopération. Et nous sommes un peu comme ces Simon de Cyrène qui, à la suite et derrière notre Seigneur, vont porter une partie de sa passion, une partie du bois, une partie de la croix. Ainsi donc, nous devons suivre notre Seigneur pour obtenir les mérites, pour que ces mérites s'appliquent à nos âmes, pour que tous les mérites que Dieu a acquis et qui sont, si l'on veut, comme un trésor possédé dans le ciel et par l'Église, si l'on veut donc que ces mérites remplissent notre âme et s'appliquent à notre âme, si nous voulons donc que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ imbibe notre âme pour la faire vivre, nous devons à notre tour suivre notre Seigneur dans le sacrifice. Et c'est le malheur de ceux qui ne veulent pas suivre notre Seigneur. Ceux qui ne veulent pas suivre notre Seigneur, ceux qui ne veulent pas prendre part au sacrifice de notre Seigneur, ceux qui se détournent de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux-là ne peuvent pas voir dans leur âme s'appliquer les mérites de sa passion. Celui donc qui ne veut pas suivre notre Seigneur, celui-là ne veut pas être racheté. Et c'est terrible, car s'il ne veut pas être racheté, cela veut dire qu'il veut rester l'esclave de Satan et l'esclave du péché. Mais s'il veut rester l'esclave du péché et l'esclave de Satan, il se fait le débiteur de la justice divine. C'est-à-dire que la justice divine lui tombera dessus. Il n'a pas voulu participer à l'œuvre par laquelle la justice de Dieu était satisfaite,
il ne peut pas, malheureusement, jouir de cette justice et par conséquent de cette miséricorde. Car la miséricorde de Dieu découle de sa justice. Si Dieu peut nous faire miséricorde, c'est-à-dire se pencher sur notre propre misère pour la soulager, c'est parce qu'il y a eu l'acte de justice, le sacrifice juste, équivalent et même surabondant de la rédemption, de la satisfaction de notre Seigneur. Mais celui qui ne veut pas prendre part à cet acte de justice ne peut pas en obtenir la miséricorde qui en découle. De telle sorte que celui qui refuse la justice, c'est-à-dire qui refuse de suivre notre Seigneur dans sa passion, celui-là se ferme petit à petit à la miséricorde de Dieu parce qu'il veut rester l'esclave de Satan et l'esclave du monde. Et conséquence, il perd automatiquement, à jamais, la patrie bienheureuse, c'est-à-dire le ciel. Le ciel se referme à lui. Ce ciel que notre Seigneur a conquis sur la croix ne peut pas lui être obtenu s'il ne part à la suite de notre Seigneur en portant sa croix. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix. Si quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Saint Paul dit dans la deuxième épître à Timothée, « Voici une vérité certaine, car si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Et il explicite, « Si nous souffrons, nous régnerons avec lui. » Il nous faut donc porter à notre tour notre propre croix, suivre notre Seigneur dans le chemin de la pénitence et du sacrifice pour que s'applique à nos âmes le mystère de la rédemption. Et donc ce mystère que nous considérions comme quelque chose d'admirable, comme un mystère d'amour, de justice et de miséricorde, devient un mystère intime à notre âme dans la mesure où nous y prenons part. Et c'est donc l'amour, la justice et la miséricorde de Dieu qui emplissent notre cœur si à notre tour nous suivons notre Seigneur dans la voie douloureuse du calvaire.